C'est bon, parce que là on est dans l'après-manger. Féminine, ou ce que je veux dans ma tête, c'est je veux être plus féminine, plus séduisante, plus charismatique, plus affirmée, rebelle, peu importe. Ça, c'est des choses qui font partie du langage client. D'accord ? Et ce qui ne fait pas partie du langage client, bah, c'est tous les termes techniques qui sont rattachés à la réalisation de ça. Si vous le ramenez à un produit, eh ben, quand on prend un produit, n'importe quoi, je prends une bouteille de shampoing, eh ben, y a les visuels, ils vont faire quoi ? Ils vont garder le design. La couleur, etc. Est-ce que le design leur plaît ou leur plaît pas? Les émotifs, ils vont regarder l'émotion procurée par le produit. C'est j'aime ou j'aime pas, en fait. C'est pas une question de design, c'est j'aime ou j'aime pas. C'est le côté émotif. Voilà. Donc ça peut être aussi au toucher, les sensations qu'ils vont ressentir. Et les tactiles, au contraire, c'est justement le côté très pragmatique. Eux, c'est le toucher, c'est le concret. Déjà, c'est combien ça coûte. Combien, voilà, vous voyez, le côté très pragmatique, très terre à terre. Combien ça pèse, combien, enfin, ce que vous voulez, mais voilà, le poids, la taille, le prix, des choses très très pragmatiques. Donc en fonction, pour le même produit, en fonction de la personne qu'on a en face de soi, on n'a pas du tout le même mode de langage et de perception. Okay, mais en me basant sur le résultat, vous voyez. Donc du coup, c'est pas sur mon feeling, c'est pas sur ce que je vois par rapport à elle, sur le plan artistique, esthétique. C'est vraiment par rapport, là je me fie au diagnostic qui a été calculé sur son visage. D'accord ? Génial. Valider la psychologie, bah, il dira tout ce que vous pourrez dire derrière ou tout ce que vous pourrez conseiller derrière, il acceptera. Parce que à partir du moment où on se reconnaît, bah, si on te dit tiens écoute, là il faut que tu fasses tel mouvement parce que c'est ce qui te correspond. Comme il a validé le test, de toute façon, il dira, bah oui, vas-y, j'essaye. Faut que tu montes sur le comité, ça fait ce mot. Alors, 1, 2, 3, oui, yes. Merci.